Et salut, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, Alex. Nouveau vlog, nouveau tournage, ça va et toi? Tranquille. Chaque jour Alex il arrive, il a une coupe différente. Voilà. Tous les jours. Et donc aujourd'hui, je me cherche en ce moment, je me cherche. On est avec pas mal de monde parce que ça va être tournage. Vidéo motivation pour le programme DS. Voilà, ça va les filles? On n'est pas trop motivés pour le moment. Pourquoi? Non. Le principe DS sont moches et le programme DS ça leur a changé leur vie. C'est ça, c'est simple. Comme dans la vraie vie. Lilton aux commandes. Ça va? T'as pas un truc à dire? Tu sais que les gros plans comme ça rend très beau gosse. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est mes grosses babines ou quoi? Je passe la danse de. Voilà. C'est... La danse de, c'était quoi comme ça danse? C'est la danse de la meuf qui est habillée comme une sagouin, comme un carreau. D'accord. Bob Caraï, c'est ça. Bob Caraï. Bah alors, c'est quoi la scène ici? Eh ben, je suis en train de regarder les photos d'une meuf trop canon qui fait du fitness tous les jours là. Et donc, je suis deg. Ouais. T'es deg? T'es deg parce que toi, t'es dégueu et t'aimerais bien être comme elle. Moi, j'ai pas la motivation là tout de suite, tu vois. D'accord. Alors, peut-être que tu vas découvrir le programme DS qui sait. Voilà, et peut-être que du coup, bim, déclic. Mais grâce à elle aussi, tu vois, je me serais dit, oh, moi aussi, je peux être comme ça. Est-ce que tu peux t'en mettre un peu de partout quand tu le manges? Ouais. Tu mets des miettes sur la bouche. Je te dis go quand tu manges, ok? Ouais. Ça tourne? Ça tourne? Ouais, quand je dis go, là. Ouais. Elle en a trois, t'inquiète. On est trois en même temps. Mâche bien. Alors fais-nous une tête dégueu. Ouais. Non. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, la tête 2. Personne, tête 2. Personne parle, je peux parler. Tête 2, ah ouais, c'est trop bien. C'est pour pas la déconcentrer. Le playback. Non, c'est professionnel, c'est comédien. Elle fait que dire plus tard. Non, ouais. J'ai pas dit. Coupé. Il faut quoi? Ah, c'est bon, pas toi. Non, je gère, c'est bon, merci. Alors, raconte-nous l'histoire de l'achat de cet aspirateur. Je suis un acheteur compulsif. Il a un problème. Est-ce qu'il y a par terre aussi? Il y en a, mais il faut acheter un autre. Ah ouais? Il y en a pas qui font les deux? Je crois, mais si, mais là, explique-nous la promo, ton problème avec les promos. Il a un problème avec les promos. Quand je vois quelque chose dans le promo, je l'achète, parce que je me dis. C'est une occasion, quoi. Hollywood. Allez, c'est parti, vous. Tu peux lui mettre l'ordi, Alex? Ouais. Allez. Tu veux? Alors, c'est parti. Ah, pardon. C'est parti, ça filme. Va chercher la main. Fais-toi plaisir. Putain, quelle actrice. Voilà l'envers du décor. Là c'est bien. Et là, c'est le bordel. Ça fait un peu accouchement là. Baby boom. Tournage baby boom. Elle est pas prête. Poussez madame. Non, grille pas, arrête de la faire. Attends, rigole, c'est chiant. Tu lui mets la surfacière. On va faire briller un peu. De la transpiration. C'est de la vraie en plus, mais à quelqu'un d'autre. Ah. Tu sais pas ce qu'il a eu dans la cuisine. Il a fait comme ça. Mais là, on dirait que je pleure surtout. Voilà. Ah, l'océan. Allez, dernière étape du programme. Allez. Hey, Safia, dynamique! Ça explose, boum! Ah là, oula! Tu débrouilles les abdos, tu débrouilles! Le coudrin ou pas, vous avez vu le coudrin? Ouais! Bim! Descends un peu plus, ça descend pas là! Descends! Ouais! C'est bien, c'est bien! Alors, on est parti! Attends! Comme ça! Ah oui, c'est vrai! Ouais, comme ça. Je suis plus à l'aise. Alors, on va lancer officiellement un hashtag. Donc, l'hashtag c'est qui les plus sauvages. Il s'affiche juste là d'ailleurs. Voilà, on va le mettre dans les liens, les descriptions. Et on part là pour continuer le tournage de la vidéo Motivation DS. Exactement. Je vais mettre la ceinture aussi. Parce que c'est chiant ce bruit. Ouais, parce que aussi j'aime bien ma vie aussi, tu vois. Ouais. J'aime bien rester en vie. De temps en temps c'est pas mal. Et selon toi Alex, maintenant où on peut aller à cette heure-ci? À manger. Manger. À manger. On est toujours en train de manger sur les vlogs.
vous voyez. Donc ça change pas en Italie ou en France, on mange toujours. Voilà. Et là, c'est à volonté en plus. Ah, c'est les Chinois. Ah, d'accord, on va pas dans le resto italien. Merci. On arrive au resto, on voit ceux qui ont faim, qui partent vite chercher à bouffer. Et ceux qui ont envie de faire pipi. Et ceux qui bossent, fait semblant. Yeah, gros. Ça, Tony, t'es content du résultat pour l'instant? C'est content, toi. Ouais. Ça va flinguer. Merci à toi. Merci pour cette intervention. Avec plaisir, faut pas interviewer ça. Je suis un mec, tu vois, de l'ombre, moi. Mais ça se voit, en plus, t'es dans le noir, là. Ah, ben parfait. Vraiment, là, en gros plan, comme ça. Un silence de cathédrale, quoi. Les gars se régalent. Même quand il filme comme ça, il se fait des travelling, le mec. Il vous ralentit, il essaie de pas bouger. Attends, tu peux expliquer ta théorie, Juliana, sur les hommes dominants et... C'est gênant, là. Donc voilà, repas terminé. Ça a été très propre. Tony, il aime bien que je le filme. Hein, t'aimes bien. Jacopo, il parle pas. C'est cassé le ventre, il a 7 assiettes, mais il parle pas. Et les filles, bien sûr, ça a mangé propre comme des déesses. Ah oui. Et Alex, propre? Propre. J'ai pris ma douche ce matin. Grosse vanne. Accélère. Il commence à être dans le mal. On dit arrête, on dit on voit le pâté. C'est pas quand même. C'est parti? Ouais, je zinc, bien ou quoi? Ouais, je t'avais. Ça va. Ouais. Putain, Tony Lamas. Quel comédien. Et la position au top, jambes croisées. T'es à l'aise là? Ah, j'en suis. Alan Lamas. C'est un comédien ou pas? Non. Ah si, bonjour. Comment tu sais? Ça se voit, il remplit tout le t-shirt. C'est un XS. Hein. Pas de placement de marque, hein, s'il te plaît. Ah, Safia, t'as fini toi tes vidéos? Ouais, moi je m'ennuie maintenant. Sympa. Ça y est, c'est le final de DS. Les abdos sont super, les abdos. T'as la fierté. Faire les biceps? C'est ça que j'allais dire. Contracte tes biceps. Il paraît que ça fait ressortir les abdos. Quoi? Il paraît que. Concentration. Du coup, on est obligé de rajouter un exercice parce que Kirol voulait absolument faire les biceps. Et pourquoi tu voulais faire les biceps? Parce que j'aime bien les biceps, ça me fait les muscles. Ça me fait les abdos, elle a dit. Donc on rajoute un exo. Ils ouvrent la... Je m'habille quand même, tu vois, baggy et tout. Le mec, ils ouvrent la fenêtre et tout, espèce d'américain. Yo. Ce mec là, 5 ans après, 6 ans après, tu vois. Oh, bien les nouveaux sons et tout bien. Oui, rap, ouais. Et maintenant, il y a 15 rappeurs, tu sais, dans le bordel. TJ. On aura des poids. On devait avoir des haltères, on a des poids. Et voilà, Juliana qui fait semblant de forcer, puisqu'elle commence le programme DS là. Regardez-moi ce jeu d'actrice. Il y a les petits bruits qui vont avec. Elle rigole pas, hein. Elle rigole pas, par contre. Sérieux. Nickel. Changement de. D'état d'esprit. Ça m'aurait pas plu, hein. On a débriefé tout ça. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rigoler? C'est gênant. Donc là, en fait, dans ce plan-là... Attends, je filme en même temps, comme ça, j'ai pas besoin de parler non plus. C'est bon? Ouais, donc dans ce plan-là, elle doit faire semblant de s'écrouler sur la dernière rep. Parce qu'il faut qu'on se la fasse à l'américaine. Ouais. Petit à petit. Plus de suspense dans ce plan-là. Ok, ok. Donc là, elle se prépare à jouer l'ultime répétition. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle y arriver? La dernière rep. Attention, acteur studio, Hollywood, action. Yeah. Ok. Oui, on a dit. Oh là là, allez, elle est dans son rôle. Oh, magnifique.
Oh là là. Ça filme par là derrière. Oh, t'as fait trembler le sol, non? Ouais, ça s'est jeté, c'était, quoi. C'était mes 70 kilos, là. Aïe. Allez, elles ont spectacle de la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Fiche? Tu veux qu'on débrief? Puis là, là. On l'a pas eu, hein, Ah, Juliana, elle fait encore un peu semblant, elle est en semaine 3 là du programme. N'empêche, en 10 semaines de programme, elle a pris 10 cm de fessiers, c'est grâce à nous. Regardez la fragilité de Fiche. Et alors? Tout à l'heure, elle disait, Juliana, il y a les dominants et il y a les dominés. Toi, on a compris. Toi, c'est pas quelle c'est la position de la tente. Vas-y, ils m'ont niqué mon cadrage, j'ai même plus regardé ce que j'ai fait tellement. Donc là, je vous explique, en fait, Yasmine, elle va devoir jouer la grosse... Mais toi, tu racontes toute la chute avant. Mais tu sais pas s'ils sont avant ou après. Ah ouais, c'est vrai. Là, en fait, voilà, elle va jouer la grosse rageuse qui mange ses céréales en rageant sur les meufs qui font du sport. Elle est contente, la déesse du fond, là-bas. Bravo. Yeah. T'es content? Ouais, carrément. Bravo les gars, c'est au paradis. Je sais pas, on a commencé à 9h. Ah, je suis une rageuse, a quelque chose à dire. Je suis une rageuse. Voilà, Yasmine, t'as joué la rageuse. Voilà, elle était mieux avant la déesse. On a mis 9h. 9h pour faire. C'est tout? Pour une vidéo de 4 minutes. Voilà, c'est parfait. C'est terminé. Vidéo motivation déesse. Ça va? Bravo. C'est lui qui va faire la déesse. Ouais. On est en train de chercher un SDF. Qu'est-ce que... On détache les... C'est dur, on est rentré tard hier.